Artists and craftsmen create their works from wisps of ideas. And over time, their creations move from owners to owners. But the glory of their works can often fade with wear and tear. Skilled and patient restorers give their works a new life. Traditional crafts, like this elaborate brocade, are passed down from generation to generation. Compared with the speed of modern industry, traditional craftsmen seem to work much more slowly, but they can certainly surprise us with their skilled work. The French EPV label, a Living Heritage Company label, was created to protect traditional French crafts in a variety of fields, including tableware, musical instruments, and artworks. Donc c'était en 2006, j'étais ministre en charge des PME, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du commerce. Et je voyais bien qu'à l'époque, les acteurs du luxe en France cherchaient une stratégie collective pour créer une marque qui pourrait exprimer l'art de vivre français. Et nous avons donc réfléchi à ce qui pourrait être fait et j'ai proposé ce label « Entreprise du patrimoine vivant ». On the Avenue de Masnil, in the 12th arrondissement of Paris, the Ville du Désir is a home for art galleries and specialist shops, including Mariscal Lefebvre. The Mariscal family is a family of silversmiths. Tableware for fine dinners, contemporary home designs, elaborate accessories, all shine with the allure of good silver. Mariscal Lefebvre has been given the EPV label and is one of the Grand Atelier de France. Its third generation owner, Nicolas Mariscal, has continued the family's craftsmanship in making silverware. He's been appointed a Chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres. Alors donc je suis orfèvre, un orfèvre je travaille principalement l'argent massif. La seule chose, c'est que si vous voulez, l'avantage de l'argent massif, c'est que c'est un métal précieux, c'est un métal culinaire, on peut manger avec, on ne va pas s'empoisonner, c'est pas un alliage de métaux ni ferreux ni cuivreux, hein, il ne peut pas y avoir de verre de gris. En revanche, par rapport à l'or, c'est un métal qui s'oxyde un petit peu et qui se ternit. Et moi, j'ai décidé à l'âge de 17 ans de faire ce métier parce que j'admirais l'histoire de la famille. Lorsque je suis né dans cette famille, on parlait que de ce métier. Métier d'orfèvrerie, mon père est orfèvre. Le métier d'orfèvre, tout ça, c'était comme quelque chose de très important. Je me voyais pas faire autre chose. In the workshop, we can see different kinds of tools. They may look dull compared with the silverware, but without them, there would be no silverware. Some of them have been used and passed down for 200 or 300 years. Alors c'est un label important parce qu'elle prouve au quotidien et à notre clientèle que nous faisons, nous avons un savoir-faire français qui représente le patrimoine français. Cet outillage, il est ancestral et il est très important. J'ai hérité de cet outillage et si j'ai pas cet outillage, je peux pas travailler. C'est on va dire
le sang de l'entreprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre sans... L'entreprise ne peut pas vivre sans cet outillage. Alors, je fais exactement comme mon grand-père, c'est-à-dire que je fabrique des couverts. Je suis restaurateur d'argenterie ancienne. Ça comporte encore peut-être 40% de notre chiffre d'affaires. Et je fais de la création très contemporaine, dans haut de gamme, en argent massif. J'essaie, à travers cette création contemporaine, de montrer une image un peu différente, beaucoup plus moderne. Moi, j'ai été primé pour Dialogue, parce que j'ai travaillé avec un designer qui s'appelle Felipe Ribon. Et nous avons créé un diffuseur de parfums en argent massif, qui diffuse du parfum avec des petites billes olfactives qui sont en plastique, et la dernière génération de diffusion de parfum qui a été créée. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être de la céramique poreuse. Donc c'est un objet qui est très design, qui est très beau, qui est très simple. Ça a été une belle histoire avec la collaboration avec le designer. Some of the workshops that carry the EPV label are still practicing their traditional family crafts and will pass these crafts on to their children. And some workshops welcome newcomers to their trades. Founded in 1960, the Atelier Meyriguer Carrière now has more than 100 craftsmen. They specialize in restoring the decor in buildings that were built from the 17th century till now, including the Paris Opera and the Élysée Palace. Donc l'atelier Meyriguer existe depuis 1960. Il a été fondé par Monsieur Paul Meyriguer. Moi, je suis arrivé avec Antoine Courtois. On est deux associés. On a repris l'atelier en 1991. C'est un atelier qui fait de la peinture, mais la peinture très haut de gamme et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la peinture très traditionnelle, il va y avoir de la peinture décorative, du trompe-l'œil, du faux bois, du faux marbre, des choses comme ça. Et puis, il va y avoir la dorure à la feuille, feuille d'or, feuille de palladium, feuille de moon gold. On va travailler sur toutes sortes de supports, le bois, le métal, le plâtre. Donc on intervient dans des châteaux, dans des musées, dans des hôtels particuliers, dans des restaurants, et toujours tout ça à très haut de gamme, et ça nous amène à l'international. Alors on a, ce que je vous disais, plutôt des départements où on a les peintres décorateurs, mais lorsqu'on est peintre, on peut aussi être amené à faire du décor. On tient à ce que les gens aient une polyvalence, parce qu'on n'a pas du travail en continu pour chaque spécificité, et donc comme ça, ça permet de nous adapter. The Atelier Meyriguer Carrière works under unwritten rules and principles that are only passed down by word of mouth. In this way, the skills and secrets of restoring paintings, gilding, antique screens, and cabinet work are passed along from 17th century masters to today's apprentices. The Atelier is also proud of its efforts in preserving Cordova. Alors, le cuir de Cordoue, ça vient du XVIIe siècle, la ville de Cordoue en Espagne. C'est fait à partir de peau de chèvre, au tannage végétal naturel. On a des motifs, et des motifs qui sont gravés dans des plaques, et on vient comme une gaufre, le gâteau, on vient gaufrer le cuir, ça donne du relief au cuir. Ce cuir, après, on le dore à la feuille, et après, par-dessus, on vient le mettre en polychromie, en respect des petits des dessins qui sont faits par le gaufrage, et après ça, on le patine. C'est des modules qui font à peu près 60 par 80 cm, et après, on applique ça au mur comme un papier peint.
Alors, ce qui est bah, l'entreprise du patrimoine vivant, pour nous, c'est voilà, ça va de soi. C'est évident que c'est une famille parce que c'est un vrai savoir-faire, le savoir-faire français. C'est pas juste des mots, c'est une réalité. Donc, c'est vraiment faire partie de cette famille et de garder ce savoir, de transmettre ce savoir. Ça aussi, c'est très important. Nous, on a des compagnons anciens qui passent 40 ans à l'atelier et donc qui voient des qui sont arrivés, qui ont eu un ancien qui leur a transmis. Puis après, à leur tour, bah, ils transmettent aux jeunes qui arrivent. Apprentice craftsmen begin learning here. Perhaps simply because they are fascinated by the art and craft, and they don't seem to quit easily, for something else is driving them, passion. When we look at the Place de la Concorde, the Luxor Obelisk, and the Dôme des Invalides, we can easily spot the gilding. Now this has been restored and maintained by one workshop. Founded in 1962, the Atelier Robert Goard is famous for its gilding techniques and has been widely acclaimed. Its current manager, however, didn't take to it immediately. Au départ, je voulais pas. Alors c'est un peu faussé parce que au fond de moi, j'ai toujours voulu être doreur, mais par esprit de contradiction, vous savez, les jeunes vont toujours à l'opposé. Donc pendant quelques années, je me suis obstiné sur des chemins complètement différents. J'étais parti sur du commerce international, donc rien à voir. Mais je passais toutes mes vacances d'été à l'atelier, à travailler et faire des chantiers avec papa. Et un jour, j'étais en stage au Danemark et j'ai appelé papa. Je lui ai dit, écoute, bah, à la rentrée, j'arrive parce que finalement, je ne me vois pas rester dans un bureau en comptabilité dans une entreprise agroalimentaire au Danemark. Et je suis arrivé le mois de septembre d'après à l'atelier. Et là, papa, il m'a dit, tu veux venir, il n'y a pas de problème. Par contre, tu fais ton apprentissage traditionnel. Effectivement, aujourd'hui, les ateliers ont plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Donc, si on fait un peu la genèse des ateliers Goard, on commence en 62 la dorure. Et le mot d'ordre de papa, c'était dorure, seulement la dorure, tout simplement parce qu'on était spécialisé dans ce métier. Sauf qu'aujourd'hui, les choses évoluent relativement rapidement. Et il faut s'adapter, il faut se remettre en question, il faut garder les techniques ancestrales, mais les adapter aux attentes des clients aujourd'hui. Le plus grand challenge, en réalité, c'est l'histoire d'homme. C'est une histoire d'homme qu'on retrouve derrière tout ça, parce que c'est une succession d'étapes, et c'est pas toujours la même personne qui intervient à la même étape. Donc c'est d'avoir cette chaîne qui soit solide et le fait de pouvoir s'appuyer sur le collègue qui a réalisé les travaux précédents et de partir entre guillemets les yeux fermés et enchaîner la suite des travaux. Typiquement, quand on prend la dorure traditionnelle telle qu'on la gère en France, vous avez à peu près 22 étapes de travail, ce qu'on appelle la dorure à l'eau, la dorure à la détrempe, et ce n'est pas la même personne qui intervient sur les 22 étapes. Et le challenge dans tout ça, c'est de réunir les compétences de tout le monde pour qu'à la fin, on ait un travail irréprochable. It is almost magic that a solid metal can be turned into this thin leaf. It has to be handled with great care because a single breath can blow it away. About 80 craftsmen are working here. Applying glue, laying foundation, repainting, yellowing, applying leaf, polishing. Step by step, they restore the glory of the old work. Typiquement,
toutes les réalisations que l'on a pu traiter à Versailles sont ce qu'on appelle des marchés publics. Donc on a eu l'opportunité de travailler dans la chambre du roi, de la reine, on a eu l'opportunité de dorer toutes les toitures. Là on est extrêmement content, on a gagné l'appel d'offres pour la chapelle royale qui va se refaire également une beauté. La grille d'honneur hein, qui a été faite il y a quelques années maintenant, c'est un de mes derniers gros chantiers. Mais je me rappelle exactement, on a mis 106 900 feuilles d'or sur cette grille. Alors c'est très très dur, c'est très très dur. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Mon grand-père m'a toujours dit, il faut entre 10 à 15 ans pour former quelqu'un, pour qu'il soit autonome. Le but du jeu, entre guillemets, si je puis dire, c'est de les détecter le plus tôt possible, de détecter les jeunes qui ont cette fibre en eux. Et c'est relativement dur aujourd'hui parce que les jeunes veulent que ça aille très vite, trop vite parfois, ce qui est en complet décalage avec notre métier ou qui demande du temps, de la patience, etc. Il y a des apprentis que j'ai eu la chance de recruter. Aujourd'hui, ce sont de remarquables doreurs et on est très fiers d'eux. Founded in 1832, Rémy Garnier was one of the first workshops to receive the EPV label. It is the locksmith for many stately homes, palace hotels, and great palaces, including the Palace of Versailles. Alors, l'entreprise Rémy Garnier a été créée en 1832 par Monsieur Garnier, industriel et ingénieur, inventeur du système de crémone indépendante, avec des tringles qu'on pouvait transporter sans la crémone, de telle sorte à faciliter l'installation. On en a mis dans tout Paris avec la reconstruction de Paris au moment des campagnes d'Haussmann. Alors, nous sommes serruriers du château de Versailles depuis déjà de nombreuses années. Nous restaurons les éléments de l'Élysée, du palais de l'Élysée où travaille le président. Nous avons travaillé à la basilique Saint-Denis. Nous avons travaillé à l'hôtel Ritz, à l'hôtel de Crillon, au Royal Monceau. Éric Chassagnon becomes passionate when he talks about the history of locks and the lock molds kept here. From Louis XIV to Rococo. From the initials of Queen's name to a variety of animals. There are a lot of stories and secrets in these locks. Alors pour fabriquer une crémone intégralement du début à la fin, il y a de nombreuses étapes qui font intervenir une dizaine de corps de métier. Disons simplement qu'une crémone simple va prendre 10 heures et qu'une crémone très ouvragée va prendre 150 heures. Mon ressenti est que nous arrivons à faire vivre des métiers très vieux sans les dénaturer, car ils continuent de garder leurs mêmes fonctions décoratives et fonctionnelles, tout en évoluant de telle sorte à intégrer les contraintes et les demandes modernes d'ouverture de portes spécifiques, de portes coulissantes, de serrures automatiques et électriques, de compression de joints pour une meilleure isolation. Et toutes ces choses-là nous permettent de continuer de faire évoluer nos produits, tout en ayant la possibilité de ne jamais oublier nos racines. Depuis la création du label EPV, nous y sommes intégrés. Car c'est une façon d'être reconnu comme étant partie intégrante de l'art de vivre à la française et des entreprises qui persévèrent pour cultiver ce savoir-faire français dont on est fier et qui nous permet effectivement de faire rêver le reste du monde. Perhaps it is bragging to say that any one thing is timeless, but we do hope that these special skills and knowledge can stay the course.
Thousands of skilled craftsmen have labored hard so that today we can see their works and their heritage. They keep them alive. The EPV label is an acknowledgement of their skill and work. They come from different trades, but they share the same dream: to safeguard their traditions for the future.